Mais ça, on le verra dans l'épisode 2. Salut à tous, c'est SaintZ et aujourd'hui, on va revenir aux bases du glitch sur Pokémon. Je dois reconnaître que l'épisode 1 n'était pas aussi clair qu'il aurait dû l'être parce que je ne vous ai pas donné les bases du glitch de la porte de Dohokashira. Aujourd'hui, on va parler informatique car il s'agit de codage en binaire, décimal et hexadécimal. Le système décimal, en base de 10, utilise les chiffres dont on se sert tous les jours. Le système hexadécimal, en base de 16, est plus compliqué. Pour compter en hexadécimal, il faudra utiliser les chiffres normaux, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, mais aussi les lettres A, B, C, D, E et F. On comptera donc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, etc. Et après 19, on aura 1A, 1B, 1C, 1D, etc. Et normalement, si vous comptez en hexadécimal jusqu'à 412 en décimal, vous obtenez ce que l'on appelle une migraine. Passons maintenant au binaire. Le système binaire utilise deux chiffres, le 0 et le 1. Donc, on peut penser que ça va être facile. Mais en fait, pas du tout. Pour compter, c'est un peu complexe, mais vous devriez comprendre. On va compter comme ça. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, etc. Donc évidemment, si vous voulez comprendre, il y a des sites internet qui expliquent bien mieux que moi. Le système binaire sera très peu utilisé, mais gardez bien en mémoire l'hexadécimal. L'IDH, identifiant hexadécimal, est une valeur qui va tout déterminer dans le jeu. Je vous avais bien dit qu'on reparlerait de l'hexadécimal. Elle détermine aussi bien les attaques que les Pokémon, les objets ou les cases du jeu. Ces cases ou tuiles peuvent être un morceau d'arbre, d'herbe ou de chemin. Chaque entité définie par un IDH peut être utilisée pour glitcher. Prenons par exemple le code Action Replay utilisé afin de capturer Celebi, 01FBEDD0. EDD0 correspond à l'adresse D0DE. Donc si l'on remplace EDD0 par ABCD, l'adresse sera CDBA. Normalement, dans votre tête, ça doit donner ça. On écrira le nom de l'adresse avec le signe dollar. Quant à FB, il désigne Celebi. Et oui, si vous ouvrez la calculatrice de Windows 10 en mode programmeur et que vous tapez FB, vous obtenez 251, c'est-à-dire le numéro de ce Pokémon. Pour résumer, on enverra le signal FB à l'adresse $D0DE, c'est-à-dire le signal Celebi à l'adresse Pokémon qui va apparaître. Bien entendu, l'adresse est déjà définie par le jeu. L'IDA, qui signifie identifiant alphanumérique, correspond au nom donné à votre joueur, votre rival ou l'un de vos Pokémon. Étant donné que tout possède un IDH, on pourra donc se servir de l'IDH de cet IDA. J'ai jamais dit que ça serait simple. Pour finir, l'IDD est la conversion de l'IDH. L'IDH est en hexadécimal et on va le changer en un IDD, qui veut dire identifiant décimal. Mais l'IDD ne sera utilisé que dans les bugs de la première génération. Et c'est la fin de cette vidéo explicative sur les glitches. Maintenant, vous pouvez aller prendre un Doliprane, mais le bon côté des choses, c'est que vous avez tout pour comprendre la partie 2 de ma vidéo sur le glitch de la porte de Dohokashira. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, c'est de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner. Allez, tchuss!